Ils ont entre 23 et 56 ans et ne sont pas vraiment des spécialistes du vin. Mais depuis quelques semaines, les choses ont bien changé. Château, il y a Barsac aussi pour les blancs. Okay. Barsac sur trois niveaux. Barsac sur trois niveaux. Guillaume, Émilie ou encore Farid, ils sont devenus quasiment incollables, car formés par un grand nom du vin, Franck Thomas. Qu'est-ce qu'on peut compléter encore ? Il n'y a pas un classement officiel en 2003 qui a... Il y a eu un changement en 2003, oui. Donc, 245 ou 7. Il y en avait à peu près, il y en avait plus de 500 avant. D'accord. Donc, et les premières origines du classement des crus bourgeois, ça vous parle ou pas ? Il me semble que c'est par opposition à... Les crus bourgeois, ce sont des terres qui ont été achetées par les habitants du bourg, donc des artisans, des commerçants, par opposition à... Quel est le vrai critère de classement ? C'est le prix. Ouais. C'est à 18 ans que Franck découvre l'univers du vin grâce à Michel Balanche, sommelier de renom sur la Côte d'Azur. Une passion qui ne l'a plus quitté. Ce qui m'a vraiment donné envie, c'est que bon, l'école, ça ne me plaisait pas. Et puis lui, il a su rendre le vin à travers ses anecdotes, sa passion. Bah, il m'a donné envie de m'intéresser. Et puis là, je me suis dit que le vin, finalement, ce n'était pas uniquement une boisson. C'était quelque chose qui reliait un peu les hommes, donc ça m'a donné envie d'aller... C'était moins scolaire, donc ça m'a donné envie d'aller voir. Franck exerce alors dans plusieurs établissements de la côte, au Johanna puis au Negresco, avant d'ouvrir son propre restaurant, le Parcours à Falicon. En 2000, c'est la consécration. Il décroche le titre de meilleur sommelier de France, meilleur sommelier d'Europe et meilleur ouvrier de France. Le travail du sommelier, pour moi, dans cette période-là de ma vie, c'était d'aller chercher la pépite, d'aller chercher l'émotion, le vigneron, pour la retranscrire le jour du concours. Quoi. C'était une vraie motivation personnelle, parce que j'aimais bien la compétition, j'aimais bien le goût de me dépasser. Et puis ça, c'était vraiment une partie de ma vie. Et puis la deuxième partie, un petit peu plus tard, ça s'était vraiment basculé dans la transmission et dans l'envie de partager ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu une partie plus où j'étais dans la technique du vin, dans la recherche de la performance. Et puis une fois qu'on a acquis une certaine reconnaissance ou un certain niveau, on est un peu plus assagi aussi. Et puis on a envie de partager ça, quoi. Un partage de connaissances principalement destiné aux professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Et ici, le vin s'apprend autrement. Si la technique est bien sûr présente, Franck et ses formateurs mettent en avant l'humain en s'inspirant de la pédagogie Montessori, à l'image de ces dégustations intuitives, après un moment de détente. Rappelez-vous que vous êtes entièrement libre et c'est un exercice qui est complètement... Vous êtes libre de ressentir tout ce qui se passe. S'il ne se passe rien, il ne se passe rien. Vous êtes libre d'arrêter à tout moment. Vous êtes libre de rester dans l'expérience. Le seul but est de rentrer en contact avec le vin. Chacun est invité à écrire ce qui lui passe par la tête lors de la dégustation. Objectif, se laisser guider par ses émotions pour lire le vin. Et après un moment, certains thèmes reviennent plusieurs fois chez les participants. J'ai vu un cheval, je ne sais pas pourquoi, j'ai vu un cheval. Et après j'ai vu des petits cailloux avec de la terre sèche. Et j'ai vu un cheval aussi, un vieux monsieur aussi, en train de bosser avec son cabet ou sa bêche. Hein, c'est énorme. Et j'ai vu un puits, de l'eau, quoi, un puits, ça m'a fait penser à un puits. Des mots qui traduisent les caractéristiques du produit, de sa fabrication et du vignoble. Je sais pas pourquoi, j'ai vu un crâne humain et j'ai eu une sale impression, quoi. Mais ouais, vraiment, vraiment une sale impression, quoi. En fait. Ah ouais, à la fin, ça m'a mis mal à l'aise, quoi. J'étais, ouais. T'as vu un crâne ? Ouais, j'ai vu un crâne humain, mais pas pourquoi, je sais pas. J'ai vu un crâne humain, j'ai une mauvaise impression, quoi. Un truc, je me sentis pas bien, quoi, à la fin. Il y a un truc qui plombe un peu. Je sais pas. Il y a un tout petit peu, ouais, c'est ton petit à toi, je sais pas comment les autres. Hein. Mais moi, il y a un truc qui serre un peu à la fin, tu vois. Vous y avez été sensible ou pas, peu importe. Mais chacun l'a symbolisé de façon différente, mais il y a un truc qui n'est pas en ordre dans ce vin. Émilie, elle a été très inspirée. J'ai vu le soleil aussi, un vent frais, et c'était agréable. Et après, j'ai vu que des choses petites. J'ai vu petit, 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 et j'ai vu un petit branchement aussi. Je trouve que c'est très intéressant, que depuis qu'on a commencé, on a appris vraiment beaucoup de choses. On a su mettre des mots sur du vin, justement. Et donc grâce à ces exercices aussi, on arrive à plus s'approcher du terroir, juste en goûtant le vin. En fait, on arrive à imager donc justement d'où vient ce vin-là. Et on a appris aussi à accorder ces vins avec des plats. Le fait de fermer les yeux, par le fait de penser à je sais pas, à un souvenir heureux, un souvenir positif, de travailler sur sa posture corporelle. Donc il y a plein de clés, plein d'outils comme ça, qui sont des outils de recentrage
vers l'intérieur de soi-même et de faire le silence en soi. C'est-à-dire que la dégustation analytique, on est dans la recherche de quelque chose. La dégustation intuitive, on est dans le retour à sa propre intuition, dans l'écoute. Selon vous, c'est de cette manière qui va permettre à la personne de déguster, découvrir... En fait, elle va découvrir, le vrai message du vin, mais elle va surtout découvrir, elle, comment elle perçoit. C'est-à-dire comment tel critère technique, par exemple comme des tanins astringents, si vous dites tanins astringents, tout le monde dit c'est quoi ? Ben, en fait, elle va percevoir d'une personne à l'autre les tanins astringents. Il y en a, ça va se matérialiser par une image de, je sais pas, on a une dégustation de personne qui a vu un cheval, etc. Peu importe, chacun a son ressenti, il n'y a pas de jugement sur ça, tout ressenti est bon. Ce qui est important, c'est de savoir à quoi ça me connecte et à quel symbole, hein, parce qu'on parle, là on est dans un langage symbolique, à quel symbole ça me rattache et qu'est-ce que ce symbole, pour moi, uniquement pour moi, veut dire par rapport à la technique du vin. Donc le champagne, je ne sais pas pourquoi. Et ensuite, c'était un côté, une sensation aérienne et de bois neuf aussi. On les laisse se découvrir eux-mêmes à travers la rencontre qu'ils pourront avoir avec le vin, avec leurs émotions, avec leurs sentiments, avec leurs ressentis, avec le goût, alors avec leur façon de l'exprimer. Et c'est le monde du partage et de la convivialité, donc généralement, il se passe quelque chose. Oui. Moi, je le vois depuis 5 ans que je travaille comme ça. Mes élèves sommeliers, ils lisent un vin. Ce que j'appelle lire un vin, c'est comprendre le vin, le goûter, le ressentir en 20 secondes. Moi, il m'a fallu 25 ans pour arriver là, très vite, à rentrer dans le vin. Eux, ils y arrivent en 2-3 ans, quoi. Ça veut dire que c'est juste qu'on leur a laissé la liberté. On leur a pas mis de blocage et ils ont pu développer d'eux-mêmes cette capacité-là. D'autres ateliers ludiques ponctuent la formation, comme la dégustation comparative, où le but est, comme son nom l'indique, de comparer deux vins avec ses propres mots, ou encore la mise en situation où l'élève se glisse dans la peau d'un chef sommelier. Si vous aimez le Saint-Estève, c'est un bon rouge aussi. Ouais, vous nous le conseillez. Oui, c'est un très bon aussi, un bon vin de Médoc. Ouais. C'est avant tout des expériences vécues autour du vin où le formateur est là pour partager sa sensibilité, transmettre ses expériences, et on sert plus de guide à travers la découverte des vignobles et des vins que de réels informateurs techniques et théoriques. On pense qu'il y a beaucoup plus d'impact quand l'expérience est vécue, ressentie. On se rend compte qu'on a été tout le temps en surface, c'est-à-dire dans les restaurants, quasi vous allez dans les restaurants, c'est la même carte des vins. Les gens s'approvisionnent chez la même personne, vous avez les mêmes choses. Une telle diversité, il y a des petits vignerons dans tous les coins qui travaillent bien, on peut découvrir des choses fantastiques à tout moment et c'est ça quoi. C'est la diversité en France, la France est un vrai grand pays de vin quoi, et les gens l'oublient. On parle de Bordeaux, on parle de plein de choses, mais il y a plein de choses qui se font un peu partout. Parmi les formés, certains sont ici dans le cadre d'une reconversion professionnelle. C'est le cas de Guillaume qui travaillait dans un laboratoire pharmaceutique. Ce côté ludique voulu par le sommelier Antibois l'a tout de suite séduit. D'avoir ce nom-là sur ce CV-là, c'est une approche beaucoup moins scolaire du vin. C'est une approche plus basée sur les sensations. Et c'est une approche un petit peu différente de l'approche académique du vin. Et c'est cette approche-là que je souhaitais avoir aussi. Le vin, parce que c'est une passion que j'ai depuis longtemps. Et voilà, je cherchais un petit peu un souffle nouveau à ma carrière. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire quelque chose que j'aime vraiment. Moi, le terme de reconversion professionnelle, j'aime pas trop. Je préfère plutôt le terme d'évolution professionnelle, en fait. Parce que c'est vrai que j'ai une formation en biochimie, j'ai une formation en qualité, mais j'aime bien me dire que ce que je fais actuellement, c'est pas complètement décontextualisé, et je me sers vraiment de ce que j'ai fait avant pour continuer dans cette voie-là. Les connaissances que j'ai en biochimie, par exemple, m'aident dans cette formation. Et pour étoffer au mieux ses activités, Franck a choisi de s'entourer de personnes étrangères au milieu du vin pour développer cette approche intuitive, comme des maîtres parfumeurs ou encore des artistes. On se réunit tous un week-end, on a des bouteilles, on a des idées et on laisse partir où ça part. Et en général, il émerge de cette... On se réunit deux fois par an et il émerge de ce groupe de travail des outils qui nous sont donnés pour aller plus loin dans ces perceptions-là. Il y a des choses quand même qui sont quand même des fois... On a, donc de là est né par exemple un atelier qui s'appelle « Vin et calligraphie » où on fait de la calligraphie en rentrant dans l'expérience du vin. Et ça permet vraiment d'aller très en profondeur dans ce qu'on ressent. Quoi. Des réunions qui peuvent également aboutir sur des jeux ludiques, comme ce Monopoly version vigneron, ou encore ce set de table un peu particulier. Là, on a une frise, qui représente tous les grands styles de vin. Tu vas avoir par exemple, donc, bien sûr, les couleurs des vêtements symbolisent
les différents goûts du vin. Donc là ici vous avez les blancs légers, hein, la dame donc comme elle est plus fine et plus élégante, ça représente les blancs secs légers. Le monsieur est plus musclé, les blancs secs puissants. Là on a le schéma de présentation d'un vin, tu vois, par exemple. Quand on présente un vin, on doit indiquer la couleur, la région, le domaine, le vocabulaire du vin, expliquer avec quelle place ça va, puis surtout ne jamais oublier de dire au client que c'est bon. Ah, c'est pour ça que le gars a un petit pouce levé comme ça. Et là, tu as les règles pour la vente. Tu vois, pour nous, quand on vend un vin, il faut toujours donner envie et proposer. Et puis, on aime bien utiliser la phrase, par exemple, j'ai très envie de. J'ai très envie de, plutôt que de vous dire, est-ce que vous voulez un apéritif ? C'est quand même plus sympa de dire, bah, j'ai très envie de vous proposer un apéritif. C'est quand même plus gourmand, quoi. Et puis là, tu as les quatre. Bon, là, un petit clin d'œil à Dionysos. Le dieu consacré de notre branche, dieu du vin. Voilà. Et là, tu as les quatre symboles de la cormée vin. Tu vois. Par exemple, le plaisir, les accords de couleur, ce qui est blanc avec ce qui est blanc, ce qui est rouge avec ce qui est rouge, les vins de la région avec les plats de la région, et puis vin léger, plat léger, vin puissant. Il y a l'approche pédagogique fortement et grandement inspirée du mouvement de Maria Montessori. C'est remettre au centre l'apprenant, c'est-à-dire apprends-moi à faire tout seul, ça c'est important. C'est donner de l'autonomie, parce que la formation, une fois qu'elle est terminée, il faut que les personnes soient en capacité d'aller chercher l'info et de continuer à grandir par leurs propres ressources. Ça c'est important. C'est vraiment une vision pédagogique qui développe l'autonomie plus que la dépendance. Et donc nous, dans nos formations, pendant ces 3 mois-là, ou plus, on met vraiment l'accent sur le vin, c'est du plaisir, c'est de la simplicité, c'est de la transmission. Ces formations débouchent sur des certificats de qualification professionnelle ou de sommelier caviste, ambassadeur en gastronomie. Elles durent entre plusieurs jours et 3 mois, comptées en moyenne 25€ de l'heure. L'année dernière, près de 1200 personnes ont été formées dans toute la France via la Société de Franck. Une manière de rendre plus accessible l'univers du vin.